Bonjour à tous, nous voici à la troisième manche du challenge de l'AL. Donc nous sommes à Chaumont-Gistoux pour la Chaumontoise. Alors, nous l'avons fait les passer, où on s'est trompé dans le parcours, mais on l'a fait en virtuel. C'était un peu plus délicat ici, avec le, comme il y a quelques coureurs et du public, ce sera plus facile. Oui, qu'on fait cette course aujourd'hui, c'est grâce à lui aussi si on a pu rentrer dans le Delal. Donc je voudrais que vous l'applaudissiez tous pendant un bon moment. Merci. Et voilà, on vient de prendre le départ de la Chaumontoise. Donc, nous sommes partis pour 14,5 km. Donc le Delal, c'est toujours un parcours vallonné, mi-route, mi-chemin, mi-bois. Donc, mauvais, allez, ça va bien se passer. Et si on vient de prendre le départ, on entend déjà les coureurs parler des courses de Delal, qui disent que c'est toujours de très belles courses. Et effectivement, comme le challenge est parti un peu tous sur la Wallonie, le challenge attire pas mal de gens. Donc toujours des parcours variés, dans des points toujours différents. Et ben voici, on vient de passer le troisième kilomètre. Donc nous sommes toujours sur la route. C'est une manière d'étendre le peloton pour justement éviter d'avoir les bouchons quand on va rentrer dans le bois. Et même dans le bois, nous croisons les coureurs du RC. On nous pousser. Ah ouais, si nous venons de passer le 4ème kilomètre, donc nous sommes à 4h30. Nous sommes toujours avec les 5 km sur le parcours. Et voilà, nous arrivons à la bifurcation. Donc, nous avons à gauche, les 6 partent à droite. Alors, comme vous voyez, sur le. C'est vrai qu'au Delal, il y a toujours une petite animation pendant le parcours. C'est toujours bien sympathique pour les coureurs.
Alors voilà, nous venons d'arriver au 7ème kilomètre. Et donc le ravitaillement nous attend. On va passer devant, mais nous on ne s'arrête pas, on continue. Merci. Oui, ça c'est malheureux, c'est le problème avec les bouteilles d'eau de la course. Ça c'est un petit point négatif pour la course, je trouve ça dommage. Nous sommes au 8ème kilomètre, donc nous sommes à 8,30. Nous sommes dans le bas, donc maintenant il va falloir remonter. Nous arrivons au 11ème kilomètre. Donc ici nous avons fait un peu de montée. Entrée, c'est une petite côtelette, mais ici, c'est quand même dur, plus d'habitude. Nous venons de finir la course et donc nos impressions sur la course, c'est un très beau parcours. Nous avons 3 km d'asphalte, donc les 3 km seraient tirer vraiment le peloton pour éviter justement d'avoir des bouchons, des commandes dans le bois. Et puis après, en fait, le reste, c'est simplement des parcours entre le bois et les chemins, des petits chemins forestiers. C'est vraiment sympathique. Alors, vous verrez, je n'ai pas beaucoup parlé sur la vidéo,
Mais en fait, je trouve que c'est une belle course vraiment variée ici à Chaumont-Oise. Allez, à bientôt pour une prochaine vidéo.